des vacances bien mouvementées. Laurie Tillman a posté sur son compte Instagram ce mardi 13 août un cliché d'elle aux urgences, le genou et le coude ensanglantés, avec en précision, grosse frayeur et 5 points de suture plus tard. Une photo qui a de quoi alarmer ses fans. Heureusement, l'ex-Miss France, rayonnante, garde le sourire. La journée commençait pourtant bien pour Laurie Tillman. Comme elle le démontrait à ses abonnés, elle était avec sa famille, son père, son frère Hugo, sa sœur Julie et son compagnon Juan Arbelaez, en promenade à vélo au Castellar Mélan, en Provence. Après une trentaine de kilomètres parcourus et quelques clichés postés sur le réseau social, on la retrouve allongée dans un camion de secouristes. Traversée Tohar, dans l'ambulance, peut-on entendre, l'animatrice et autrice d'Au Top prise en charge par les soignants, ça m'avait manqué, ironise-t-elle en légende à une photo du pansement sur son genou. Pour rappel, le dernier passage aux urgences pour la reine de beauté date de juin dernier seulement, après avoir fait un œdème de Queen. La folle mésaventure se termine par des remerciements en règle, aux pompiers de Tohar et au personnel des urgences de Digne pour leur réactivité. Puis de conclure par ce message rassurant, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai rien de cassé et c'est le plus important.